Salut à tous, bienvenue sur Batman Fitness. J'espère que vous allez bien. Ouais, ça va. Donc, c'est pour vous, mesdames, que je fais cette vidéo-là avec la rancœur. Donc, vous avez beaucoup de dames qui sont complexées au niveau du fessier. Quand je vais au magasin, quand je vais chercher ma baguette, elles sont complexées. C'est dommage, il y en a, elles sont vraiment mignonnes. Charmantes, des bombes. Elles mettent des pantalons triple XL qui sont pas leur taille. Il y en a qui mettent des pantalons serrés pour bien voir les fessiers, les cuisses. Donc, déjà, votre corps, ça vous appartient à vous. Ça appartient à personne. Faut se dire de votre tête, votre corps, vous le sentez comme vous le sentez à 1000%. Les astuces pour grossir des fesses naturellement. Si vous avez un petit chéri à la maison, ça court mieux. Parce que l'huile de vinaigre, c'est une très très bonne huile. Ils utilisent dans les pays asiatiques, dans les pays maghrébins. C'est pour ça que vous avez des bombes atomiques en Thaïlande, qu'ils font que ça. Des massages. Donc, par rapport au massage, 10 minutes par jour entre 2 mois et 3 mois. Votre chéri va vous masser vos fessiers et vous allez voir que au niveau de la circulation du sang va passer partout. C'est un très très bon. Pendant 10 minutes, pendant 2 à 3 mois, vous allez voir, vous allez avoir la différence entre maintenant et dans 3 mois, 4 mois, voire plus, hein, voire plus. Donc, les prix de l'huile de vinaigre, c'est 7,90 les 100 millilitres et 49,90 les 1 litre. Donc, vous allez en pharmacie, vous allez dans les boutiques bio, n'allez pas sur internet parce que c'est vraiment de l'arnaque. Mon point de vue, allez à la pharmacie, il y en a à disposition, vous savez où elle sort. Vraie huile de vinaigre, vous allez les trouver quand même à pas mal. Pas mal de prix, il y a tous les prix, il y a 49 euros, il y a plus que ça, il y a 80 balles, c'est vraiment de la qualité. Donc, deuxième. Vous avez des gélules de vinaigre. Vous les trouvez aussi en pharmacie. Vous avez même le temps d'aller en pharmacie. Vous êtes certain que c'est de la qualité. Ce n'est pas de la contrefaçon. Donc, c'est pour vous. Vous savez où ça sort. Donc, vous prenez 4 à 8 semaines. Les pilules, vous en prenez. Une par jour. Donc ça va vous donner un peu de cholestérol et un peu de sucre. Vous allez prendre du poids au niveau du fessier. Vous n'allez pas prendre 20 kilos, 30 kilos, 40 kilos. Vous allez prendre du poids au niveau des fessiers. Donc le plus important, on va passer à la troisième étape, le plus important pour avoir un corps de rêve que vous voulez. Si vous voulez être sexy, on change de silhouette, on change de face. Donc, le plus important, c'est les exercices en musculation. Vous faites des squats, fentes et de la marche à pied ou du vélo. Ça va vous travailler énormément. Déjà, le cardio, vous allez gagner en cardio, vous allez gagner en confiance en vous. Et vous allez gagner aussi au niveau des formes de fessiers que vous allez les avoir bombés. Ah ouais, moi je vous jure, vous allez les avoir bombés. Des fesses de Kim Kardashian. Vous allez voir que vous allez mettre de dessous, si vous allez plaire à votre chérie. Il y en a plein qui vont vous regarder comme des chacals. Waouh, c'est quoi ce fessier? De la bombe. Donc ça va être que du muscle. Ça va se transformer qu'en muscle. Si vous faites des efforts avec les exercices, vous allez gagner. On n'a rien sans rien. La souffrance qui paye pour les fessiers. Je vous dis, I wanna to biceps, big chest, big cube, big arm. À la prochaine.